Salutations YouTube, j'essaie de me remettre moralement du fait de ne pas avoir battu The Beast avec Keeper alors qu'on avait une run godlike qu'on a envoyé aux chiottes à cause de l'épée. Nous allons jouer Tainted Keeper, c'est une découverte. Donc les magasins sont meilleurs et Greed is good. Ça veut dire quoi? Ah, il a quadruple shot lui? Bon alors, c'est la fête. Oh! Ah oui, d'accord, Greed is good, ok, il y a du pognon. Oh! Oh non! Ah! Oui! Aïe! Aïe, non! Oh, vite! Il est incroyable! C'est le meilleur perso du jeu! Alors, idéalement, on a envie de trouver soit l'autre Penny quand même. Merde, j'ai pas fait le magasin. Le magasin, c'est garanti maintenant. Voilà, mais c'est incroyable. Alors, faut pas oublier que les Devil Deals coûtent de l'argent. Hein. Est-ce qu'on joue Angel Room? Quoique non, hein, Devil dit l'argent, c'est bien aussi. Ah mais oui, on a un objet, c'est du... Ah, d'accord. Oh merde, non, mais Common Call, je le veux. Oh merde, si j'avais su. Donnez-moi du pognon. Non, vite. Ah non, non, mon argent. Oh, il me manque une pièce. Il me manque une putain de pièce. Ok, on va faire le boss et au pire, j'irai faire la curse room. Parce que j'ai chariot. Il y en a 4 entités, peut-être. Non ? Non ? Est-ce que je vais panique chariot ? Non ! C'est bon, j'ai mes 15 balles. Oh, greed is good. Je vais crever, j'en suis sûr. Greed is good. Ah oui, mais merde. Oh, c'est chiant. Attends, c'est Marrow celui-là. Donc ça, ça va me donner un cœur, non? Plus du tears up. Qu'est-ce qui est mieux entre Marrow et Common Cold? Common Cold, c'est du poison, mais pas systématique comme Scorpio, ce qu'on avait eu tout à l'heure. C'est basé sur la luck. Ah, il est nerfé, ok. Enfin, le perso est nerfé, ok. Ah oui, Tears Up, c'est Divorce Papers, bien vu. Bon bah ok, on prend Common Cold. Par contre, j'ai pas de clé, quoi. Oui, j'ai moins de luck, c'est normal. L'autre keeper aussi commençait avec moins 2 de luck. C'est juste que j'ai eu un luck up, là, avec Mom's... Necklace, la Mob's Pearl. Du quoi. Non, Mom's Necklace. Et donc, je suis passé à moins 1. Au shop, clé? Bah, je suis une merde. Ah oui, putain. Non, c'est pas grave. Par contre, si c'était la graffeuse, j'ai le seum de l'infini, hein, mais bon. Enfin, si, hein. Ah ouais, donc, greed is good, tu m'étonnes. Hein. Moi, je rush tout le pognon. Hein. J'oublie tout. Ah, il est trop bien, ce perso. Parce que du coup, ça rend toutes les salles plus rigolotes, quoi. Plus actives. Greed is fit, quoi. Et puis on commence avec quoi, quadruple shot. Ah, t'entends parce que... Ah, il se bouge celui-là. Ouais, mais c'est chiant. Parce qu'évidemment, on veut trouver... soit l'autre pénis. Et... Oh là là, ça c'est génial du coup quand il y a des milliards de ads à la con. Qu'il y a du pognon à l'infini potentiellement. Poussez-vous! Oh! Il faut avoir tout le pognon, all the pognons. Merde, non. Non! Oh!
All the pognons. Il me faut des clés. Ah, j'en ai une. Non, vite. Non. Oh, greedy feet. Non, mais putain, parce que... Voilà, c'est le problème, c'est que Grid is feed. C'est con, hein. Mais du coup, j'aurais plus quad shot, mais j'aurais 4 tirs alignés avec un énorme tears up. I need it. Ok. On est d'accord que là, elles vont toutes être alignées. Et j'ai un énorme tears up. Faut bien contrôler le tears. Ah, mon DPS, il est monstrueux. Hein. Non, non, pas comme une merde. Pardon. Oui. Attends, mais ah oui, les shops sont mieux, oui, parce que du coup, il y a des objets craqués, même au shop, il y a le Gemini et le Speed Up en mode. Qui n'ont rien à faire là, mais qui sont là. Bon, si besoin, on bombera et le Shopkeeper et la machine de dons. Oh, c'est trop bien. C'est un des meilleurs modes de jeu, hein, je trouve. Évidemment, ça va être affreusement dur, hein, parce que. A priori, il est lock à deux cœurs. Ah, du coup, si on trouve un Holy Mantle. Ça serait sympa. Même la petite... Attends, tous ces ads, ils filent du pognon. Oh, le farm. Farming Simulator. Non. Laissez-les. Ah merde, ça arrête. Il a compris. Le jeu a compris que je l'arnaquais. Oh non. C'est injuste. Ok, ok. Non. Ah c'est... Non. Ouais, le speed était pas dégueulasse à prendre, hein, mais bon. Ah ben... Let's go. Et bloqué à deux cœurs, oui. Ça va être dur. Mais les builds... Enfin, vous commencez avec quad shot et le build peut devenir tellement fort, tellement vite grâce au shop, grâce à tout, quoi. Voilà. Bon, par contre, les curse room, faut oublier, quoi. Oh non, voilà, grid is feed. Mais là, contrôle tir, c'est un des meilleurs objets que je pouvais avoir au début, en vrai. Le problème, c'est que j'ai besoin de clés également, quoi, vu que... Aïe, aïe, aïe. Mais ce qui serait beau, c'est de gagner de la luck. Je sais pas si... Parce que là, j'ai déjà eu un lucky penny. Je sais pas si plus j'ai de la luck, plus j'ai une probabilité d'avoir de meilleures pièces. Comme tout à l'heure, j'ai eu pas mal de nickel sur des drops. Et ça augmente la quai. Non, mais ah oui, mais ah, c'était une fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée, Gemini, parce que dans ces situations-là, il va pécho alors que j'ai besoin du pognon. Et on amasse de pognon. Et j'ai pas de clé. J'ai pas de bombe. Au secours. Alors le problème par contre, c'est que là où l'autre keeper pouvait abuse les sacrifice rooms,
Ça va pas trop être le cas ici parce que toutes les pièces sont éphémères quoi, à part celle-ci. C'est chiant, il faudrait juste une bombe. J'en ai vraiment besoin, oui. Ensuite, le pearl est pas mal. Oui, j'ai une clé, c'est vrai. 5 pour 2 bombes, oui, c'est ce que je vois. Allons voir l'item room. Bon, il y a très peu de chances que j'aille jouer... que j'aille jouer la sacrifice. Et bien d'accord que c'est un double. C'est pour apporter deux cartes, deux pilules, etc. Ça. Ok, on va jouer la Curse Room. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter la bombe. Il peut y avoir la Super Secret là. Ok. Plus des mouches. Ah non, parce que là il y avait des caca, donc il peut pas y avoir la Secret là. Donc la Secret elle est ou bien là. Probablement là. Sinon, elle est... Ah ouais, mais c'est chiant. S'il y a deux endroits, c'est chiant. Ouais, ça va être le cas. Sinon, elle est ici. Ouais. Elle peut être également là. Donc, c'est chiant. Ah mais oui, j'ai complètement oublié le Devil Deal. Du coup, j'ai plus de thunes pour mon Devil Deal. Ensuite, si je bombe la machine, le problème, c'est que les bons Devil Deal, ils vont coûter 30 et pas 15. Donc on peut se dire que je bypasse le Devil Deal. Hein. On va faire ça, j'ai pas le choix. J'espère qu'il a des ads. Ah non, pin, il a pas de ads. Pas qu'ils aient mis des little pins, c'est pas le cas. Il va me donner du pognon? 2-3 petites pièces en crevant, s'il te plaît. Le HP up me sert à rien. Ah, du coup. Alors là, j'ai un choix, je vais voir. Le problème, c'est que les Devil Deals forts à 2 coeurs, ils coûtent 30. C'est difficile d'abuser de la Sacrifice Room, sauf si je prends... Il faudrait que je prenne aucune... des pièces dans le niveau, parce que le problème c'est... Il faudrait que je trouve un swallow de penny ou un truc du genre, mais j'ai tellement peu de ressources. Bref, à voir. Oh. Un petit petrified poop là serait sympa hein. 8 minutes 23. Putain, je suis même pas si lent que ça, je viens de m'en rendre compte. J'ai un peu tardé, j'ai un peu traîné, c'est con parce que y a clairement moyen d'arnaquer un truc là. C'est un perso rapide. Voilà, c'est baisé. Oh là là, oh ça fait mal au cœur. Non. Oh non. Oh.
Oh le Lucky quoi. Ouais. Quel con. Ok. Ça rend dingue hein. Oh. Oh ça aurait été tellement bien qu'il pète à droite du... Bon c'est pas grave. Ah, les shops sont ouverts aussi par défaut, ça c'est vraiment cool. Oh. Pour elle, c'est un space bar item marrant. Mais je pense pas l'acheter. Si j'avais Brimstone, ça serait complètement broken, mais c'est pas le cas. Oh là, des primes, je peux rien aller prendre, faut que je vole. Hein. Très grave. Pas 60 balles. Ok. Toile tractor beam. Ouais, je me demande. Je l'ai jamais vu la toile tractor beam. Je me demandais justement qu'est-ce que ça donnait. Oh nice. Unlock déjà. Tablier c'est un peu carry item, hein, un petit peu comme avec les autres persos insupportables là. Hein, genre The Lost et compagnie. C'est vrai que c'est un perso fragile donc sablier ça permet de revenir. Ensuite, Guppy, c'est cool, quoi. A voir. Je pense que j'y vais. Hein. Ce serait bien de récupérer au moins une bombe. Quelle. 91 balles. Il n'y avait rien dans le shop. La tourelle, hein. J'ai gardé Guppy. Il était gratuit. Chier parce que j'ai besoin de dégâts, j'ai besoin d'autre chose là. Parce que je suis mon build, il est pas mauvais, mais je deviens fébrile. Et ça coûte cher. Oh, c'est tentant d'aller faire celle-là. Oh l'horreur! Ok. Dead caves de mort! Oh là là. Oh, Gemini aide trop pour cette salle. Incroyable. Mais je suis à 99 balles, ouais mais de toute façon peu importe elles disparaissent ces pièces. Il faut que je laisse les pièces standard. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis un malade. T'es un malade Bernard. Ok. Faut que j'abuse de ça, je peux avoir des pretty flies, des cartes, des trucs cool. Et puis du pognon, il en tombe tout le temps.
ou pas? Oh, ça m'a saoulé. Ah ouais, officiel là. 15 balles 0 à 0. C'est la fin. Ah oui, non, alors là, on va peut-être pas grid parce que... Ok. Quel connard. Quel connard. Aïe, aïe, aïe. Pardon, j'ai explosé le pouce contre mon bureau. Ah, c'est marrant. Ce perso est vraiment très marrant, mais ça part vite en couille, quoi. C'est dangereux. On a envie d'avoir de l'argent. En plus, ouais, j'étais quasiment full thune. Je sais pas pourquoi j'ai tryhard comme ça. Oh non, j'ai plus mon tracteur de bim. C'était tellement bien. Le connard. On l'appelle le connard. Ok. Ouais, pas trop ouf, ça. Commence en fait avec une bombe. Non, mais je suis con, putain! Vas-y, ramène-toi, ramène-toi. Oh, c'est ouf le truc en bas à droite. C'est genre, c'est vraiment bien. Une merde. Genre ça, évidemment, le cadeau, c'est fort parce qu'on l'utilise en god room et ça nous fait un god item, mais ça, c'est vraiment fort. C'est les saloperies de trucs qui tiennent les ennemis et qui les tuent. Ensuite, ça m'empêcherait de farmer du pognon parce que ça tuerait des ennemis loin. Est-ce que ça serait pas quand même raisonnable de le prendre? J'attends de voir la gueule de l'objet du boss. Elle est sur les flammes. Non. Dommage. Oh la boule. Oh le farm. Quel abruti. Pardon. Ah ça y est, farming terminé. Magnifique. C'est bien ça. En gros, si je pète la machine de don, je peux quand même prendre le truc en bas à droite qui est pas dégueu. Sinon, je prends la... Je prends le cadeau et j'attends... deal ou Godroom. Il y a le caillou marqué, mais en fait, je me dis, si je veux acheter un truc, c'est ça que je dois péter, c'est pas le caillou. Ah, il y a le Lucky Penny. Enfin, il y a le Sack of Pennies. J'avais pas vu. Ah, ouais, ouais, ouais. Sack of Pennies, ça va me permettre... Ouf. Une merde. Ça va me permettre de dropper de la thune, justement, dans le niveau, si je veux faire une sacrifice. Ouais. Cadeau Godroom, c'était fort. Bon. Je suis une merde. Le problème, c'est que moi, je vois la pièce à 10 balles. Je pense qu'à ça. Les ennemis, les projectiles n'existent plus, c'est normal. Une merde. Ok.
Oh. Bon objet en promo, très bon objet, hein. Un petit damage up ou tears up et des larmes qui stun les ennemis pour qu'ils les rendent confus. Qu'une merde. Ok. Bon, faut venir là. Non. Celle-ci, elle reste, ouais. Ah, c'est très très bien ça. Je suis une merde. Je crois qu'il était vivant. Pourquoi je suis pas mort? Ok. Mais laissez-moi prendre ma thune. Pardon. Ok. Non mais... Putain. Chier, j'ai que 6 balles du coup. Putain. C'est cool, c'est un truc pour Conjoin. Je crois qu'en plus il est... Merde. Il est Devil Pool celui-là. Je sais pas si... Non, il doit pas compter pour... Belzébuth là où je suis quoi. Bref. La forme démoniaque. Oh là là. Là il y a du pognon à l'infini mais... Y'a les mouches vertes, putain. Pédible. Medibal, putain. Oh non, ça me mettait tellement bien. Oh les 10 balles, bordel de merde. Avec les 10 balles, je pouvais prendre et l'item room et... Je sais pas pourquoi je fais ça. Ok, nice. Sûrement en balle la secrète. Vite canner. En plus, il y avait ça. Puis... Ok, faut en focus 1. Non, c'est pas le bon. Pognon. Non. Mon pognon. Le problème, c'est si je vais prendre... Je suis obligé de prendre des dégâts maintenant que j'ai plus de bombe. Ah mais non, le shop, il y avait une bombe. Il y avait une clé. Il y avait quelque chose. Ah, il y a ça aussi. Ah, le speed est pas mal, hein. Je jure. Est-ce que je peux le prendre en prenant qu'un de dégâts? Y'a pas un monde où on passe en diagonale? Ok. Et je vais prendre l'argent en bas là. Il y a peut-être la super secrète.
Attention, masterclass. Ok. Vache. Nice. Bon, 5 minutes 30 par contre. Mon pognon. Merde, j'aurais dû le pousser sur un vase. Mais il y a du sang qui m'empêche d'aller prendre mon pognon. Non, faut que je les laisse les pièces à terre. Elles pourront me servir. Ah, celle-ci par contre, faut les prendre. Je pense que le shop est plus rentable que l'item room, hein, du coup. Ah non, il faut que je laisse spawn des araignées. Vas-y, continue. C'est super. Mais non. Oh. Ah, j'ai qu'une clé. Ah, c'est une bonne salle à Yera, je pense, ça. Hein. Parce que la deuxième bombe, elle va pop dans Inbounds. La deuxième clé aussi. Oui, le shop est gratos, ouais. C'est lié deux, c'est quoi le basement? Ça va être nul à chier. Ça va être genre un soul heart ou une connerie du genre. Les cartes en folie est pas inintéressant. Ouais, je pense qu'il faut que je prenne les cartes. Soit en promo. Oh là là. Two of clubs pour doubler les bombes, two of spades pour doubler les clés. The lovers, hop, vas-y, file les cœurs, les mouches. Vas-y, Young Man. Ok, en fait, faut que je termine le niveau. Ok, il y a un plan de jeu, il y a un game plan, je vous le jure. Bon, je drop pas d'autres clés. Ouais, faut que je Yera. Ouais, faut que je Yera ici. Ah, mais non, je Yera ça alors, du coup. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de clé. Attendez. Ça serait con de pas avoir la clé. Hein. Ah, c'est chiant. En fait, non, il faut que j'utilise ma première clé. Merde, j'ai récupéré une bombe. Drop les cartes. Ah oui, drop les cartes en bas. Ah oui, non mais je suis stupide. Ah mais c'est de la manutention. Vous aimez ça la manutention visiblement. Ok. Ok, on va faire de la manute. J'ai pris la clé, putain, mais quel connard! Attends, si j'ai pris la clé, du coup, autant l'utiliser tout de suite, parce que après, sinon... Oui. C'est nul à chier. Quoique. Mais non, fallait doubler le coffre. Oh, j'ai fumé du mauvais shit. Merde, ça attire pas le... Ok, c'est pas grave. Bon, vous savez quoi? Je suis fatigué d'expliquer. Merci à tous. On pourrait aller faire la Curse Room avec le vol à l'aller. Ensuite, c'est le genre de risque que j'aime moyennement.
J'ai besoin d'argent. Mais je vais jouer Godhead de toute façon. Donc, enfin Godroom. Donc à ce moment-là, c'est pas grave. Et si l'objet est intéressant. Ok, ça c'était bien de la merde. Si l'objet est intéressant, j'irai bomber la machine de don. Ok, c'est bon. Le run control tears était cool quand même, mais bon, si on a vu ce que ça pouvait donner à un run triple shot déjà complètement craqué, donc avec quadruple shot, hein, ça ne peut être que mieux. Alors, en plus, on a eu Dolly là qui était incroyable comme drop. Gratos. Ah, il n'y a pas de sacrifice room, dommage. Pigeon Boy, à part si ça drop un dime et un nickel, ça sera toujours de la baise, non? Ah oui, en plus j'ai moins de luck. La plupart du temps, c'est des pennies classiques, quoi. Ah oui, il y a ça. Ça, je peux l'emmener à cave 1, parce que cave 1, ça sera déjà un... Cave 1, c'est un boss item. Ça, c'est quoi le meilleur endroit déjà? C'est cave 2. Cave 2, c'est deux boss items. Depths 1, c'est un boss item et deux soul hearts, ou juste des soul hearts, c'est Depths 2. C'est la Bible. Ah non, la Bible, c'est Womb 2, non? Ah, je me souviens plus. The boss item, c'est Womb 1 de boss item, c'est ça? Ah ouais. On va le prendre avec nous et on verra bien. De toute façon, faut encore y arriver, quoi. Cathédrale, un god item. Mais là, rien que là, c'est déjà un boss item. Oh là là, oh là là, oh le sale bail. Mais non, mon sac. Enfin... Attends, mais si je l'utilise, ça ouvre une plateforme? Non, il fallait... D'accord. La grosse baise. Et on est bien d'accord, je pouvais pas bomber... Bref. Ça peut être fort. Très fort. Oh mon dieu. Ok. Je prends lock négative, mais ça se voit pas, hein. Ok. Ah mais là j'ai plus rien à bomber pour faire plateforme. Sûrement en bas la secrète, mais on va quand même vérifier. Ouais. Oh putain, mais alors le problème de ce familier là, c'est que c'est très facile de confondre les... Au secours. Au secours. J'ai vu la pièce et au moment où je me suis lancé, j'ai vu que l'autre connard tirait. 39 minutes déjà, 39 minutes. Heureusement que cette game-là va être extraordinaire. Voilà. Reset. Oh oui, oh, les ads. Vas-y, vas-y. Est-ce que j'ai honte? Non, absolument pas. Continue, continue, c'est super. Bon, il y a quand même... Normalement, au bout d'un moment, c'est nerfé. Quoi? Bon, d'accord. Moi, tant que je vois des pièges, j'y vais, hein. Je crois que c'est bon, là. Le Jump Mario... Ah, le file est pas mal. Ça me fait des... Ah oui, ça me fait des entrées au Curse Room gratos, le file. La lime plate, là, c'est trop fort. Parce que ça enlève tous les pics du jeu. Bon, boussole, c'est fort. Le bouquin de Mario, c'est nul, mais pas tant que ça, parce que ça permet d'aller chercher les objets où normalement faut voler. Et en plus, ça fait 1 sur 3 bookworm. Même si bookworm avec quadruple shot, c'est moins capital.
J'ai envie de prendre la lime, mais j'aimerais voir une curse room. Ok, on va prendre la lime donc. C'est un coach. Oh oui! Ça, c'est pas un coach, ça. Franchement, c'est mon perso préféré. C'est pas le plus fort du tout, mais c'est trop drôle. Même quand tu perds, c'est cool. La lime empêche les salles de sacrifice. Ouais, mais il suffit de la déséquiper. Tu la drop et la salle de sacrifice, elle en marche. Donc c'est que du bénéfice. Et les curse rooms gratos, c'est quand même incroyable. De beaux objets. Pas la gulp. Ah oui. Nice. Même sur Tom Perrin, ça aurait été extraordinaire aussi. Tu la chier. En fait, le problème de cet objet-là, oui, ça attire tous les objets vers nous. C'est peut-être pas si mal, non? Voilà. J'aime pas trop, mais en l'occurrence, ça me permet... Mais pourquoi? Ça me permet d'attirer ce qui serait loin. Ouais, l'aimant, peut-être. Ah oui, parce que ça va attirer les pièces pendant que je tue les ennemis. Non, mais en fait, c'est broken. Non. Je pensais différemment. Mais ouais, non, ça ne peut être que bénéfique, en réalité. Il y avait un autre truc cool au shop ou pas? Je crois pas. Ah si, oui, si. Shop était très intéressant. Mais du coup, le livre est plus trop nécessaire. Sauf pour Bookworm. La boussole, par contre, ça reste fort. Hein. Le mapping dans le jeu, c'est broken. Ouais, mais ça attire, mais très doucement. C'est ça le problème. Donc quand c'est le trafic comme ça, ça reste compliqué. Mais ça va quand même m'aider. Voilà, ouais, j'ai pu me gaver en bombe gratos. Du coup la boussole on va pouvoir l'acheter je pense. Non sérieux ? Ok. Putain, il y a des vases partout. Je sais pas à quelle fréquence on peut trouver le swallow de Penny. En même temps, j'ai déjà un trinket cool, donc j'ai peut-être gardé mes bombes pour le reste. Ah, du coup, ça peut être là, ça peut être là. Bon, allons fight. Le problème, c'est que j'ai aucun... Oh là là. Seul problème, c'est que j'ai aucun objet de dégâts, donc si je me fais baiser avec un speed, il est pas évident ce boss. Merde, je m'attendais pas à ce que ça droppe encore du pognon. Ok, c'est bon. Le prendre ce bouquin de mort. Hein. Il y a trop d'endroits pour la secret, ça peut être aussi là dans ce L là. Ça peut être à gauche ici. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, la boussole juste, je pense. Peut-être la bombe en sol, non, j'ai beaucoup de bombes. Ouais, c'est ok. Pas envie de farm, il y a trop de spots de farm que ce soit pour la secret ou la super secret. Ah, peut-être en haut là, bon bref. Ah merde, j'avais strength. Ah, j'ai oublié de la prendre. J'ai temperance. Non! Non! Mais putain, mais c'est... Ok.
Hank, c'est Revive en Blue Baby. À voir. Avec Blue Baby, je sais pas si j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai pas tout fait. Mais j'ai pas débloqué Tainted Blue Baby d'ailleurs. Je suis une merde. Mais je reste prêt parce qu'il y a du stuff partout. J'ai jamais autant. Oh. Ah mais Burning Basement quoi. Oh là là. Bon. Attends, mais il va me faire payer les bouquins de la bibliothèque ? Oh là, je sens le sale bail. Parce que s'il me fait payer les bouquins à la bibliothèque, c'est zéro. Hein. Probablement. Hein. Non ! Oh, il y avait tellement d'argent dans cette salle. Oui, j'ai vu le rocher. Oh, il y en a partout des rochers marqués. Mais rocher marqué avec Keeper, ça, c'est zéro tiers, c'est sale quoi. Oh oui. Ok, nice. Voilà, voilà la clé. Un petit Petrified coupe là. Oui, mais je suis à moins 2 de luck, c'est vrai. Trouver des luck coins. Ensuite, les deux bouquins sont excellents, hein. Ça aussi, c'est fort. Oh, oh là 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 là. Le trinket aussi à 5 là qui donne Holy Mantle une fois par étage. Oh, mais c'est infernal, il y a trop de trucs à acheter là. Putain, et j'ai laissé 5 balles, 6 balles. Hein, putain. Ah, c'est infernal là. Le choix est terrible. Parce que... Bon, je vais pas prendre les deux bouquins du coup hein, pour avancer sur... Merde, mais quel con. Avancer sur un bookworm. Mais Book of the Dead me fait le bouclier en os là, qui est vraiment fort sur les... Surtout quand on l'utilise au bon moment sur les salles avec plein d'ennemis. Book of Shadow, 6 secondes d'invincibilité contre les boss, c'est fou. Mais d'un autre côté, il y a la Broken Watch qu'on peut timer, qui est super fort avec le slowdown toutes les 4 salles. Et il y a le Jesus Juice pour les dégâts, et il y a ce trinket qui est super cool. Hein. Et Piercing Shot, oui, il y a Piercing Shot. Piercing Shot, c'est impossible de passer outre. Oh là là. Bon. On va voir. Il faut que le boss me file du pognon ou que je piffe bien la Secret Room, déjà. Peut-être avec du pognon. À droite, c'est possible. Bon, elle est là. Faut arrêter au bout d'un moment. Encore cette merde. Jesus Juice, ouais, c'est des gros dégâts. Hein. Jesus Juice, c'est vraiment cool. Même la crosse, là, c'est trop bien. Ok, lui, il a des ads. Bah non. La glope. Ah, c'est pas les vrais ads. C'est peut-être les araignées qui pop comme ça, qui sont considérées comme des vrais ads. Du coup, que dalle. De l'arnaque. Lui va me donner du pognon en crevant, ne l'oublions pas. Ah. Le problème, c'est qu'il faut que je le tue, mais il faut que je récupère son pognon. D'accord, tout pète. Oh mais c'est intolérable. Putain, mais tout... Et putain, mais y a 100 balles à dépenser sur cet étage, quoi. La seringue, c'est mieux que Jesus Juice. Ah, j'ai plus de bombes, j'aurais tellement aimé Wooden Cross. Et puis ça nous a mis sur spawn. Ah oui, ça donne de la speed, ouais, ok. Bon, c'est quand même un très bon étage. Et on n'a pas les bouquins, fait chier. Non, c'est super. Ok.
Oh, la lime plate aussi, on aurait pu faire toutes les curse rooms tout à l'heure. Oh. Ah oui, alors attention. Non, c'est quand même mieux pour ces salles-là, je pense. Parce qu'on on bourrine tout et du coup, il y a juste à rush les récompenses. Pour les mouches, ça va être génial. J'aurais dû laisser la... Là, bon, ça va. Je pense pas jouer Sacrifice. Et tout ce qui est pièces non temporaires, faudrait que je les laisse idéalement dans l'étage. Pour le heal, pour diverses raisons. Go baby, c'est ok tiers. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas dingue. Ça, c'est fort. Ça, c'est les 4 petits tirs en plus qui font du slowdown. Et quand on se fait toucher, ça décroche le parasite, je crois. Double curse room avec la tête de vaudou, poupée vaudou, là, ça aurait été excellent avec la lime plate. Mais c'est plus la même partie. Ok. Au secours, mon pognon. C'est trop injuste. Truder, sympa. Gardez thunes pour le DD, mais je pense que j'ai joué Godroom. Hein. Je pense que j'ai joué Intruder, ouais. Jésus. Ok. Tonks. J'ai aucune ressource à part le pognon par contre. Non, ça on va rush. Mon pognon. Ça y est, la richesse arrive. Oui, le coin, oh, c'est quoi. Restez calme. Ok. Ah, c'est con, ouais. La Golden Bomb aurait été plus cool, hein. Gold Bomb, là, ça vaut très très cher avec les vases, avec tout ce qu'il y a. Faire boss rush avec ce perso, c'est impossible. Bah, ça dépend, hein. Si, non, ah oui, ouais. On peut farmer, hein. Il suffit d'avoir des shops complètement broken. Et on peut avancer vite derrière, mais... C'est bien ça, je l'ai déjà eu, je me souviens plus. J'ai pas l'impression que c'était ouf. Si c'est pas par rapport au cœur noir ou une connerie du genre. Pièce pour le cup. Ah oui, c'est vrai que c'est gratuit ça. Ça, c'est une bonne suggestion. Ah. Il est où mon le cup? C'était un troll, ça compte pas avec lui. Mongo Baby, ouais, je vais prendre le Mongo Baby du coup. Ah, c'est random le luck-up, putain. Toujours plus. Prendre le Mongo Baby pour un conjoin ou une connerie du genre. Bon, du coup, je vais sortir très... Oh. Théoriquement, pauvre de cet étage, mais... Vu que je vais pas jouer à Devil Deal, c'est ok. Fort aussi.
Encore un flooded case, encore une bibliothèque. Putain, j'aurais pu l'avoir mon bookworm, mais ça demandait tellement d'argent. Ah, c'est con, j'en aurais eu beaucoup d'argent si j'avais pas dépensé à... Je peux en faire de la thune. Putain, ça c'est fou, mais... Il faut beaucoup de clés, sinon ça va être une grosse déception, c'est sûr. Ah, mais arrêtez de me mettre des ennemis sur contre le mur, là. Je suis trigger, au secours, mon pognon. Utiliser Death pour lui alors qu'il était gratuit, c'est dommage. Deux clés. Un Death là aurait été mieux. Attendez, c'est un vrai drame ce qui est en train de se passer parce que... Oh là là. Waouh. Le cintre est excellent, le familier est très bon et compte pour Conjoined. Bon, il y a Abel, hein, bien sûr, mais hors catégorie. Et Cancer, Cancer je le prends, hein, c'est sûr. Ça va grandement augmenter mon tier rate. Reste très fort. J'ai pas de bombe. Il y a un monde où je meurs là, hein, quand même. Mais bon. Ouais, ça c'est méga stonks. Oh ouais, Cancer en trinket là, incroyable. La salle de challenge fait chier. Parce que le problème du gros coffre, c'est que ça peut être deux clés, comme ça peut être 20 clés. Et ça peut donner donc deux gros objets ou masse ressources. Et là... Oh, putain. Oh, si seulement je pouvais voler. En flush, bof. Enfin, ça fout, ouais, c'est marrant. Ça fout la flotte partout, mais... C'est assez fort en réalité, mais... Hein. Boss rush, 10 minutes 25. C'est vrai que c'est tentable. La bibliothèque, j'oublie. Quoique... Il y a un monde où je peux avoir le bouquin de Bethany et avoir des flammes. Donc, Jet Room, tu pourras peut-être voler. Hey, mais le problème, c'est que j'ai pas de bombe. Oh là là. Il y a une bombe au shop. Oh, au secours. Mais il y a trop de trucs bien au shop aussi. Oh là là, c'est scandaleux. Ah, et les god items, ils vont coûter 30. Non, ils coûtent 15. Parce qu'on le sait grâce au stairway. Bon, vas-y, faisons. Mais c'est trop chiant de pas avoir de bombe. Parce que du coup, je vais pas pouvoir bomber l'ange. Et ensuite, on partira peut-être sur du double deal. Bon, c'est pas trop grave en vrai. Oh la arnaque. Ok. Si je mets une clé dans le gros coffre, j'aurai quand même l'aggro pour avoir des ressources. Oh le alien, trop marrant. Alien. Tente la bibliothèque. Elle est incroyable, mais évidemment, elle est derrière d'autres clés. Il n'y a même pas la Bible en plus. J'avais pas le bouquin de Mario proposé au premier étage ? Ou c'était la partie d'avant ? Bref. Bon, c'est pas grave. Mon build est incroyable. Il est vraiment fort. Strength pour la curse ? Non. J'ai pas la thune. Ah, j'aurais pu prendre Abel pour avoir conjoined direct. Non, je préfère quand même garder ma thune. Bon. Ah. Fuck, hein. Tant pis pour la thune. C'était un luck coin. Oh, j'ai le démon.
ça c'est tentant. Ah mais j'ai strength, voilà, voilà pourquoi je vais utiliser strength. Ah, celle là-bas là. Allez, c'est parti pour des dingues. Ah mais du coup le boss rush on oublie hein. Ok. Ah oui non mais elle est temporaire celle-là. Oh putain, oh là avec les piercing tears, oh là là, quelle bénédiction. Attends, mais c'était pas des dégâts le... C'était quoi le... 5-19, j'étais pas déjà à ça. Tristesse. Tier 16. Ah oh, ça c'est bof. Mais non, mais je suis con. Celle-ci elle restait. Oh là là, pour mon sacrifice room, c'était pas des temporaires, tellement habitué à rusher le pognon. Ça, je me souviens que j'aimais pas trop. Ah oui, c'est les petites larmes qui se poussent l'une l'autre, là. Oh la merde. Ah, fait chier. J'ai enlevé des pièces. J'avais deux pièces qui restaient dans Forever, là. J'aurais pu jouer à la Sacrifice Room, j'en suis sûr. Mais des pièces qui restent pour toujours, j'en ai au shop. Il faut des bombes. Ça, c'est les proutes. Il y a le mythe qui donne un peu de tears up, mais pas dingue dingue. Et la gomme, c'est nul. Parce que le truc des caca copains dans les caca, c'est bien. Je suis une merde. Ouais, mythe, c'est des dégâts, ouais. Pas énormément, mais c'est des dégâts. Je sais bien, hein, je sais bien. Tellement bon là. Avec un potentiel de malade. Ouais, mais du coup voilà, putain, je pouvais avoir 4 pièces sur le terrain, j'en ai plus beaucoup du tout quoi. J'ai une bombe cependant. Je pense qu'on tente la sacrifice, non? Oui. Le mythe, c'est un HP up, donc il va me soigner, donc je vais le prendre après. Ah, j'ai pas You Feel Blessed. La bombe pour l'ange. Ah merde, bon, c'est pas grave. Si on doit rejouer Devil Deal derrière, c'est pas un drame. De toute façon, je veux pas arriver à l'ange en vrai. Ah si, parce qu'il y a masse pognon entre les deux anges, ouais. Je vais pas avoir le drop là, j'ai pas été blessed, il se passe rien là, ça me... casse les couilles, on va voir.
aucun risque ne sera pris. Le boss rush est mort de toute façon, depuis longtemps. Oui, il peut avoir que 2 points de vie max, Keeper. Tainted Keeper. C'est pour ça que c'est un délire. Oui bah non, de toute façon on s'en fout, je vais avoir les clés avec... oui, parce que ces anges là, il n'y a pas besoin de les bomber. Donc on fait les 2 anges. On a fait chier parce que The Body... The Soul, The Mind c'était bien, The Body c'est vraiment useless pour le coup pour moi. On a quand même eu le drop de God Item. Quand même une force de frappe vénère. Quel con, j'ai oublié. Ah cool, j'ai eu le... l'araignée folle. Il est bloqué. Oh, oh, on la flip. Flip, ça, tout va bien. Merci Satsoul pour le raid, merci à Geoffrey Live également pour le host. Alors, on est bien d'accord que ça c'est les proutes à la con là. Je le laisse charger et il proute derrière. Je pars archi fan. Ah, much love, yes. Eco-location ça, much love. Ok. Oh oui, gratuit. Mais c'était bien ça ou pas? Putain, je l'ai déjà utilisé en plus, ça me saoule. C'est un space bar item mais à usage unique. Des rétros bigones. Bon, je l'utiliserai contre un boss. Parce que bon, là, ça fait genre disparaître quoi. C'est l'injonction. Ouais, merde. Ok, aucun souvenir de ce truc là. Je l'ai claqué. Ah, il y a eu des larmes bizarres. Ah, mais... Il y a des petits mobs. Merde, faut que je laisse, faut que je laisse. Ah, mais ah, d'accord, j'ai même plus besoin de l'utiliser, c'est forever maintenant. Je suis une merde. Je vois rien. Oh, oh là là. Ok, ok. J'ai pas besoin de le réutiliser, c'est une fois par étage ou je comprends pas. Quand je tue des ennemis, ça laisse des avatars chelous. Oh, j'ai rien pris. Ouais, ça c'est les yeux derrière moi, c'est bof. J'aime bien la spider. En vrai, je vais la prendre, j'ai beaucoup d'argent. Je peux prendre probablement Mom's. Ouais. Des fois, je vais tirer derrière. Merde, c'était une définitive, c'était celle du poupe. Putain, je déconne. Je laisse, il y a une autre sacrifice, toujours plus d'arnaque.
Moi j'y crois à cette partie, c'est la bonne. Ah bah tant pis hein. Oh, ok. Merde, il y en a bien d'autres. Mais j'aurais dû foncer, je suis con, ça me soignait, je gagnais 9, putain. J'ai hésité, ma vie pue le sexe. Ok, j'ai compris. Bah, c'est marrant, d'accord. En gros, je réappuie et ces trucs explosent là, les petits avatars, les démons. Depth 2 là ? Ça peut me faire mal ces merdes par contre. Probablement. J'ai que 2-3 pièces qui traînent dans la challenge room. Pew. Oh, c'est con. Très bien. J'ai une carte. Ah oui, j'ai strength. Alors le problème d'Experimental Peel, c'est qu'il y a un scénario où ça m'enlève un point de vie. C'est con parce que j'ai une pilule, donc ça m'avancerait sur la transphose pun, quoi. Je vais pas prendre ce risque. J'aime pas ça. C'est un tears up, mais j'aime pas. Unjoin is ok. Là sur les côtés maintenant. C'est un shoot'em up là hein, le truc. Beau shmup là. Des fois je tire derrière en plus. On est vraiment sur un build shmup. Je sais plus ce qu'il y avait. ...24% seulement. Enfin... ...35% mais 24% de l'Angel Room en tout quoi. 25% c'est assez proche de 100% non? En réalité. Peut-être claquer la strength. Ok. Je claque la strength. La France a peur. Juste pas, il vomit en dernière partie, ouais, voilà, faut, je mets tellement de dégâts là. Les ombres, ok. Ah, tout le pognon est là-bas, c'est super. Ok. C'était bien 100%, ouais.
que je gamble. Ça va forcément être nul. Là, j'ai zéro de luck, mais ça donne jamais 15 balles en général. Si jamais va des rétros, j'ai pas le réflexe encore, mais là mon build est assez bon pour pas avoir utilisé. Hein. Ça donne pas de la luck? Non, ça donne jamais de la luck. Oh, si ça donne de la luck, vous avez raison. Vous avez raison, ça donne de la luck. Il est mignon le familier. Ah oui, mais par contre il est merdique. Y a du sang ou pas? Tant pis pour le pognon, là on fait ce qu'on peut. Hein. C'est le problème pour mon truc pognon, c'est que j'en vois tellement partout là. Oula. Elles restent. Ok, merde. Par contre, voilà. Merde. J'aurais dû les prendre. Je m'étais dit s'il y a une sacrifice room, mais le problème c'est que sur le chemin, il y a des pics tout le temps. Donc, en fait, j'aurais dû tout prendre. Pas de panique. Anemic Blood. Pas ouf, hein. Sacrifice Room, là. Pas faire, hein. Regarde, celle-ci était définitive. Il y a un monde où on pouvait jouer à The Beast aussi, mais on va faire une partie standard. Je peux pas. Pas trop envie de lancer mon cancer, et puis bon, c'est quand même un personnage avec deux cœurs, donc bon, The Beast. Ensuite, tout à l'heure, putain, mais tout à l'heure, mon qui est ma partie keeper à The Beast, là où j'avais tout, là. La charge de batterie pour le coin et machin et trucs. Ou envoyer en l'air. Que de la merde. Merde, je suis 99. Putain, et le shop, c'était grid. Ah, putain, mais... C'est trop cruel. Pas obligé d'avoir la cracked key. Ah oui, parce que j'ai personne à débloquer, oui. Ah, mais bon. Je pense que The Beast, faudrait vraiment un truc... Un truc cheaté, quoi. Les IPK que pyromaniaque ou des conneries de ce genre, enfin bref. Je sais même pas si ça marche avec lui. Si, ça le soignerait. Pause. C'est ça du coup. Ok. Eh bien, allons-y. Le mendiant cornu fait quoi si t'as pas d'énergie? C'est une bonne question.
Je sais même pas si j'ai... Oh putain, je suis con, j'avais 99 balles, on aurait pu l'exploiter. Parce que lui, en fait, il donne des petites charges, mais au bout d'un moment, il donne un objet qui est en relation avec les charges. Des batteries, des piles. Double vue. Ah. Ah oui, d'accord, il va en chez marqué. Et oui, de toute façon, il y a le crâne avec The Fool. Et on va pas jouer ça. Bon. Quelle baise. Ça sert à rien. Ça, c'est l'objet qui donne des tout petits stats up à chaque fois que je ramasse des cœurs bleus. Mais avec Keeper, les cœurs bleus n'apparaissent pas. Ils sont... Tous les cœurs sont instantanément convertis en mouches. Merde, je devais pas le prendre, ça. C'est pas grave. Je crois que s'il y a un 5... Ah oui, non. Un 5, je peux le prendre. Oh là là, attention, attention. Ça, ouais, pour ces ennemis-là, c'était très bien. Bah attends. Ah d'accord. C'est un double. Un peu greedy, je repasse à 1 de speed, mais avec mon tier rate, ça serait assassin de pas prendre ce power-up. Ah, l'objet pour avoir les shops me serait tellement fort. Ensuite, un speed, ça fait un peu peur. Hein. Toi. Ok. Ok, ça me fait pas mal. Donc c'est vraiment fort. Envie de speed down encore, non merci. On peut se calmer là, j'ai pas besoin de thunes. Je suis à fond. Money equal power là. On est quoi? Ah, on est encore à 35% et 24%. C'est à peu près 100% normalement en statistique. Statisticien, je confirme, merci. Ah oui, mais les lock-up. Ouais, mais putain, faut les spot. Ouais, disons que quand la situation le permet, je prendrai les pièces, mais... C'est vrai qu'il peut y avoir les lucky coins. Au secours. Ça donne de la vitesse. Parfait.
Ah, bon courage. C'est vraiment un énorme pif. Ah non, c'est dégueulasse. Faut pas que je fasse ça parce que j'ai même pas regardé à côté. Ça se trouve, c'était absolument impossible. Bref. Qui t'en prend ? Curse of the Lost. Ah, palmapping. Toujours un grand plaisir. Ok, encore. Ça va pas, hein. À chaque étage. Prends des pièces au pif quand c'est sans danger. Et puis si c'est une luck-up, bravo. Hein. Bravo la vie. Oh. Alright, ça fait plaisir ça. Avantage de ne pas avoir débloqué trop de runes. C'est bon pour le moral. Allez, une challenge room à un HP, est-ce qu'on la tente? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. J'aurais dû laisser la pièce comme ça, je me serais pris le dégât là et j'aurais testé pour voir la gueule qu'elle avait. Il me faudrait un drop naturel de pièces. Mais c'en était un, je suis un connard. Ok. Si vraiment c'est ouf. C'est assez ouf. Le problème c'est que je peux pas me faire toucher. J'ai pas envie de claquer mon Algis quoi. Bon allez tant pis. Oh, oh l'enfer. Elle était gentille hein. Ah ok, je pensais qu'il y en avait un troisième, c'est pour ça que j'ai pas fait péter les mecs. Nice. 43 de dégâts avec ce débit là et... Oh c'est bon. C'est 100%. Nice, nice. C'est longtemps qu'on n'a pas vu un secret d'art. Serious time. J'ai que 5 bombes. Là, il y avait plein de pots. Un peu tentant de farmer le swallow de Penny, mais en même temps, j'ai cancer, donc j'hésite. Ça augmente tellement. Merde. Ça augmente tellement mon débit de larmes. Ok. Attention la petite diagonale. Attention. Faut que je laisse hein, les pièces. En plus, je suis à 99 pièces. Faut vraiment que je touche pas.
Au secours. Ensuite, il peut y avoir une agrafeuse qui a un damage up monstrueux. Toujours tentant hein, de faire l'abruti, je sais pas. Ce serait tellement dommage de claquer le Helgis pour une salle qui n'est pas une, un boss. Non, le sale bail. Le sale bail. Ok, 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 ok. Ok. Je suis con, j'aurais dû garder The Sun pour l'autre salle. L'appel. Useless. Et inaccessible. Ah oh, c'est pas... pas sympa ça. On a envie de faire Isaac sans claquer quoi que ce soit, hein, idéalement. Je sais pas à quel point il cancel beaucoup de choses le cercle. Putain, y a des pièces qui tombent au pif comme ça. Je suis tout à fait pour, hein. Oh, je suis une merde. Mais elles s'en vont pas les pièces, pourquoi? Merci. Bah merci la vie. Je me vois pas. Oui, parce que je me suis... mon corps c'est, des... c'est chiant quand il n'y a plus que les pieds, mais ok. J'ai pris Delirium, j'avais pas vu qu'il... Non mais bon, mon chest, où j'allais être surpuissant. Bon, Delirium donc. Mais non mais en plus j'avais la clé pour Méga Satan, ma vie pue la merde. Bon, ma vie pue la merde si je réussis pas Delirium, mais bon... C'est quand même chaud quoi. Oh non, mais le trolling extrême quoi, on voit rien. Oh, putain, il a pop, je m'y attendais pas du tout, j'ai... J'y ai pas pensé une seule seconde, quoi. Oh là là. Du coup, la VOD infinie, vu que j'ai mis tous les resets. Delirium, il me faudrait beaucoup de choses hein, pour pouvoir le battre. Et c'est beaucoup de choses, c'était au chest que je les avais, quoi. J'avais deux de luck, là. Il y avait déjà le chest de départ. Ah, fait chier. Non, mais sérieusement. Oh là là. On laisse les pièces. J'avoue, j'aurais bien aimé voir un mapping, mais bon. Je vois que dalle, je vois que dalle. Ok. Aïe aïe aïe, pas facile, hein. Non, la prend pas, putain, mais tout sauf celle du milieu, quoi. Ils sont où les boss? Au secours. Oh non, mais c'est sûr qu'il peut pas être là. Ah si! Parce qu'il y a un scénario où si la salle elle se déploie vers le haut, ça touche rien. Là par contre c'est sûr. Ah non c'est pas sûr non plus, on est d'accord. Là les deux
Les deux peuvent être délirium, on est d'accord. Parce que dans les deux, il y a deux scénarios où la seule salle que ça touche est l'entrée. Ouais. Saloperie. Oh, c'est tellement la merde, sérieusement, mais putain, ce délirium accidentel, quoi. Décidément, les runkeepers, on a des choses craquées et il y a toujours une erreur humaine. Bah, génial, hein, ça peut être délirium. Ça va vraiment être du full pif. Il faudrait que je trouve une carte de TP encore. Et le Tainted Keeper, ouais, tout à fait. Il n'a que 2 cœurs et pas 3, max. Et voilà, à chaque fois qu'il tue des ennemis, il y a des pièces qui apparaissent et qui disparaissent assez vite. Du coup, ça oblige à jouer agressif, etc. Ah oui, et tout, les shops sont craqués. Et il peut y avoir des objets très forts dans les magasins. Donc c'est marrant, c'est très aggro comme run. Ah oui, il commence avec quad shot, pas triple shot. Pain or high. Très drôle à jouer, même si c'est très dangereux, très volatile. Oh là là, j'ai vraiment fait ça? Oh, c'est fort hein, pour Delirium là, c'est vraiment un énorme problème. Mais c'est une blague! Ils sont vraiment en train de me faire ça? Alors peut-être que celui de droite ne peut pas être Delirium parce que là on est clairement à l'extrême droite, n'est-ce pas? De la map et du coup il pourrait pas être là parce que la salle de Delirium peut pas sortir de la grille de 13 sur 13, c'est bien ça. Peut-être que celui de droite est safe. Du foutage de gueule là quand même hein. Il n'y en a aucun qui touche autre chose que sa salle d'entrée, quoi. Vas-y, on se fout un peu de ma gueule. Voilà, ça peut être un sale histoire. Ouais, les araignées sont mes amis, hein. Faudrait que je les garde. Pas de lucky coin. Ah, j'ai enfin tué quelqu'un avec pas des rétros là. Il y a un vote boutou. Ah là c'est bon. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Là, c'est pas délirium. Super. J'espère que ça va faire comme tout à l'heure, là, parce que tout à l'heure, c'était ok parce qu'il me chiait de la pièce comme Jaja, mais c'est plus le cas, hein. Je veux pas être alarmant, mais... Observation. Putain, je connaissais même pas la transfo.
Pas nul. Y a... Donc ça non plus c'est pas... Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. C'est ça? Donc ça c'est safe normalement. Et ça... Non ben ça non pas forcément. What a base. Y a que celui de droite en fait. Là où je suis safe. Mais si elle part comme ça vers le haut... Ah si, parce que ça touche là. Oui, oui. My bad. Ok, donc c'est bon. Ah, le Blue Baby que j'aurais dû affronter si j'avais pas TP sur Delirium par erreur. Merci à tous. Vas-y, va falloir commencer, voilà. Ça sera plus simple quand il y aura des ads. Pas des mouches normalement, t'as pas des potes mouches toi. Quelle arnaque. Ça compte pas, non, ça compte pas comme Blue Baby. Il faut bien terminer le chest. Ah mais le chest ça aurait été tellement facile quoi. Aïe aïe aïe. Joker. C'est vrai que j'avais un gros problème de thune là. Les items dans le void. Exact, ouais. Ah oui, ça aurait peut-être été le chaos chest, par contre. Mais bon, j'avais 99 balles. Et la thune pleut avec ce perso. Quoi? Il m'a pas filé de pièces? Comment ça, en fait? Oh! Oh! Mais ça, c'est zéro. Putain, mais quel foutage de gueule, tous les objets sont nuls à chier. De toute façon, on a très peu de chances que ça passe, hein, en réalité. Enfin, ça dépend, si tous les mini-boss, ces mini-apparitions en tant que boss filent des pièces, c'est jouable. Hein. Surtout que j'ai un Algis quand vraiment je sens que je vais crever. On va quand même avoir le réflexe. Il y a des rétro. Moi, je pense qu'il est à droite. Quatre rooms, non. Il y a le bug, il y a le bug de la musique. Est-ce qu'il va y avoir le bug de la vie? C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est chill hein, comme musique, c'est chill comme boss fight. Y a pas eu de bug par contre, hein. Ça c'est dommage. Hein.
Ah, elle file pas de... file pas de pognon, l'araignée. Ah, c'est mort. Ah, y'avait une pièce. Fond de toi. Il y avait tellement une pièce. C'est fini, j'ai loupé la pièce. J'ai loupé la fucking pièce. Oh, je vois rien en même temps. J'ai loupé la pièce, au secours. Je vois que dalle, je vois dalle que. Juste une pièce, juste une pièce. Genre, putain, il y avait une pièce. La vie pue la merde, j'ai loupé la pièce. Il y a du caca rouge partout. Oh le coach. Ah, et je me voyais pas parce que j'étais tout petit. Et je voulais juste faire le chest, bordel de merde. Je voulais faire le chest. Je voulais pas aller sur Delirium. Joli run de 8 heures. Oser quand même ce Delirium. Bah oui, mais je voulais pas. C'est pas moi qui choisis d'aller faire Delirium direct. Merci Nakshun88. Esunism. Dorei, Shadow. Mitsune, merci encore. Merci pour les subs Beyond Game. 06. Nimatek, Kalagan 37, Telos 100, merci beaucoup. Merci énormément. Des bisous YouTube. En tout cas, un perso qui donne lieu à des runs très cool. Des bisous.